Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. C'est le denrée encore sur votre petit écran. L'émission Face à Demain maintenant. Aujourd'hui, c'est spécial. Je suis venu dans la rue. Je suis venu me promener parce qu'il y a quelqu'un que je cherchais. Je l'ai retrouvé. Suivez-moi, vous allez voir de qui il s'agit. Fafa, c'est comme ça. Maintenant, désormais, on va poursuivre. Maintenant, ils ne veulent pas venir. Ils veulent fuir. Ils ne peuvent pas fuir. Donc, le denrée, là, vous le poursuivez. Allez, on s'en va. Yeah, 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 t'as vu? Ah, je me suis pris! Oh, frère! Mais dans quel coup? Non, mais il fallait qu'il vienne t'attraper. Ah! Ouais, tu te caches. Mais qui t'a dit, Jésus? Aïe, tu vas pas savoir. Je sais tout, c'est le derrière. C'est comme ça. On y va. Ouais, tranquille. Ah, tu m'as suppris, hein. Mesdames et messieurs, je viens d'attraper DJ Rodrigue. Il se cache. Je l'ai attrapé dans cet endroit-là. Vraiment. Plage musicale et on revient. Fafa. On dit quoi, mon frère? Tu vas t'attraper comme ici? Non, mais on dit c'est ici que tu te caches. Ah, vraiment, Abidjan. On dit quand tu es. Ah, quand tu veux te brûler, c'est là que tu te caches. Mesdames et messieurs, après cette plage musicale, voilà, voici le monsieur en question, DJ Rodrigue Atalakou Anati, le prince des Atiers. Ouais, c'est le prince. C'est le prince en fait. Mais moi, je suis étonné que tu me trouves ici avec tes caméramans, tout ça, là, vraiment. Hein. T'as ton monsieur de fuir ça. Faut que tu t'as des soucis. Non, mais c'est, maintenant, c'est le nouveau modèle. Maintenant, on court, on va vers les gens. Ah, vraiment. C'est important. Ah, ceux qui t'ont dit ici, ici, c'est vraiment, ils sont forts. Mmh. On dit quoi, c'est comme Marie, mon frère. Et la nouvelle. On est là, mon frère. T'es tatoué partout, là. Ouais, enfin, mon frère, t'es galère depuis Sikoji. Sinon, c'est comment? Ouais, ça va, tranquille. Je suis là, je suis arrivé, ça fait sûrement deux semaines. Hein. Et ça se passe bien? Ouais, ça va tranquille. Je suis venu, j'ai fait un truc où j'ai mis sur le marché. Mm-hmm. Ça, j'ai fait le clip et tout. D'accord, et ça se comporte bien, ça va? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Je fais pas mal de spectacles. Ah bon? Ouais, ça va. Ah bon, tu es arrivé net, tu commences à moyen les bons. Puisque c'est Rodrigue, c'est pas, tu vois, ouais. C'est toujours essayé de mon rythme entier, hein, tu vois. Hein? D'accord, c'est super. Sinon. Ouais, ça va. D'accord. En tout cas, moi, je suis très, très content de te revoir parce que tu as bien, tu m'as pas appelé, mais tu es là. Tu m'as surpris même ici. Ah, tu as vu, non? Donc, fallait qu'on parle de l'émission Fafa. Pour qu'on parle, parce que Fafa, c'est comme ça. Sinon, ton émission, ça me plaît, je suis ça. Hein. Mais tant mieux, tu n'es pas fait. Je suis, j'ai pas envie de faire parce que. C'est un truc bon, je ne paye pas. C'est bien vu pour Makoso. Uh-huh. C'est tellement énervant, tu l'as tellement énervé. Donc il dit, uh-huh. Ah, c'est quelle émission mon frère, il se met dedans. Ça va aller, ça va aller. Alors Rodrigue, dis-moi, est-ce que tu peux voilà, nous expliquer un peu? Parce que bon, les gens ont connu un certain DJ Rodrigue qui chante en Haïti, en tout ça, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas c'est comment et tout. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que tu es arrivé à la musique? On sait que tu étais déjà DJ avant. Ouais, et tout, je suis arrivé à la musique grâce à un collectif d'avant-terre. C'était un collectif DJ. D'accord. Qui était formé, créé par le président Alex Feng. Alex Feng. C'est par là que tout a commencé, collectif à Talambou. Ouais, ouais, ouais. C'est par là j'ai fait mon truc. Il y avait moi, Serpent Noir, Kila Bongo. Il y avait Stéphie aussi. Et Stéphie, ouais. Donc nous étions quatre, on a fait la Talambou. Chacun a fait son Talambou. Et heureusement, c'est pour moi qui j'ai fait la Talambou en Haïti. On a lancé le groupe et puis après chacun partait de son côté. C'est pas là qu'on m'a connu. Ouais. Avec ma première émission avec Zé Blé. Ouais, 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 ouais. C'est pas là que tout a démarré. Quoi. D'accord. Mais à propos d'Alex Feng, Alex Feng nous a fait entendre que bon. Que tu fais partie de ces artistes qui sont pas reconnaissants. Non, Alex ne veut pas dire ça. C'est-à-dire que toi, quand tu as Abidjan, même tu l'appelles pas. Non, ça peine, Alex ne veut pas dire ça. Autre fois, j'étais avec lui. Ça fait même pas encore un mois. J'étais avec lui. J'ai joué dans un bar chez Afouti Magloire, mm-hmm. Où il était même. Sur les platines, quoi. Voilà, j'ai même joué là-bas. On s'appelle. C'est mon bon vieux père. Quand tu es parmi ces artistes, c'est moi qui suis plus reconnaissant. Ah bon? Voilà, c'est mon bon vieux père. Ah, vive pas les soins.
peux pas dire ça, c'est mon vieux bébé, c'est lui qui a fait quand même le groupe. Grâce à lui quand même. Il faut ça quand même reconnaissance. Donc quand tu viens là, est-ce que tu le mets bien? Parce que c'est facile d'appeler. Je le mets bien. Donc lui, il t'a dit que je le mets pas bien. Bon, moi, il a posé une question. Je le mets bien, mon vieux. Je le mets toujours bien, c'est mon vieux. Je le mets bien. C'est moi, c'est mon vieux bébé. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, donc après ça, tu t'es pas découragé, hein, ouais, que tu as eu le succès, mais tu as continué encore à faire des sons et ouais, tout. Ouais. J'ai fait confirmation. J'ai fait la tour. Après, j'ai fait ce que vous avez connu, Mouké. Voilà. Ouais. Après, j'ai fait Dieu merci. Mm-hmm. Après, j'ai fait Anne Melo. Oui, Anne Melo. Après, j'ai fait Hommage Mort. Après Hommage Mort, maintenant après c'est pas ton niveau. Ouais. Mais Hommage Mort, moi j'étais. Tu as même écouté, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'étais au Nigeria il n'y a pas longtemps. Ouais. Et il y a des gars qui se plaignaient, tu vois, au Nigeria qui disaient que mais votre Didier Rodrigue là, c'est un plagieur. Il a volé le son parce que voilà, c'est un son qui était dans un film un peu dramatique de. Tu vois, les films Ibo, les films Naija là. Voilà, la musique là, et Didier Rodrigue a pris ça pour mettre. Hein, il a pris ça, il n'a pas demandé la permission là pour faire ça. Donc les Nigériens sont fâchés quoi. Oui, ils sont au courant. Ils sont au courant que tu as pris leur son. Est-ce que c'est vrai? Non, tu sais, moi j'aime beaucoup regarder les films Nadja. Tu vois? Et effectivement, c'est un son qui est sorti d'un film. Donc ça m'a pris, ça m'a tellement touché, j'ai dit ah, pourquoi pas ne pas prendre ce truc là pour faire mon son. Mais tout, même dans le monde, ça, tous les artistes, tous les chanteurs, on prend des soins quelque part. Non, mais toi tu n'as même pas maquillé un peu, toi tu as pris tout le son. Mais en tout cas bon, mes frères nigériens, voilà, c'est la famille, tu vois. Ouais, donc eux-mêmes, ils prennent, eux, ils prennent pas nos coupés de cadeaux pour faire pour eux. Ouais. Voilà. Donc ça, on l'a pris aussi pour eux. Donc c'est la même chose. C'est pas mauvais. Ah. Ok, il y a foi. Alors dis-moi, tu es un artiste qui marchait très fort. On n'a pas compris, tu t'es retrouvé en Europe. En Europe, oui. Bon. Pourquoi est-ce que tu es allé caler en Europe? Non, je n'ai pas calé en Europe, on dit. Tu sais, quand j'ai fini Anne Melo, avec Hommage Mort, je suis pas en Europe parce que moi, toute ma famille vient en Europe. D'accord. Ma mère, mes soeurs, mes enfants, tout le monde. Donc je suis pas en Europe, quand même, j'ai quand même un temps. Mais c'est parce que ça ne savait pas dire quand j'étais en Europe, je continuais toujours ma carrière musicale, tu vois. Donc je suis resté quand même pour rester un peu avec la famille et puis me reposer un peu par rapport au showbiz. Et après, maintenant, revenir, non. En force pour prendre ma carrière musicale. Sinon, je reçois pour la famille. Rester en famille, tout et tout. Mais rester en famille, là, ça a duré. Hein. Non, mais ça fait ce mandat là. Oui, mais mine de rien, les gens n'ont pas entendu. Patate, ils sortaient au moins les sons, c'est au moins deux sons chaque année, au minimum. Au moins, quand tu es en famille, tu es parti pour te préparer, pour venir. Quand même, ça fait quand même avec la bénédiction, quand même, des parents, c'est bon. Important, c'est important. Je suis venu, puis j'ai sorti mon outil vêtement qui cartonne, je suis content parce que tu vois, c'est ma mère qui m'a donné l'inspiration. Ah bon? Ouais, le son que de Domingaz, ce que tu dis, tu aimes là. Voilà. Donc, j'ai sorti Domingaz, j'ai dit merci à Dieu. Donc, voilà, je suis venu avec ce single qui prend un peu son petit bout de chemin et j'en suis fier. La communauté a tiré aussi, ils adorent ça aussi. C'est super. Alors Rodrigue, dis-moi, dans toute la musique que tu faisais et tout, je pense qu'avant même de commencer à te lancer dans la musique, tu as dû avoir une source d'inspiration. C'était qui ta source d'inspiration? Inspiration, bon moi mon inspiration venait d'un groupe entier. D'accord. Voilà. Deux groupes entiers en fait. Tepo Durama, parce que j'étais encore tout petit. Où je suivais encore le groupe Durama avec le groupe Aïwo. Je salue de passage le grand Baba Sheikh et mon papa Assel Arion et tous ceux qui adorent surtout la musique entière. Voilà. C'est de là qui m'ont inspiré. Et j'étais tout petit, je suivais. Et après je me dis pourquoi pas ne pas chanter. Donc aujourd'hui même ils sont fiers. Ils sont fiers. Quand je vais les assister dans les orchestres entiers, ils sont fiers. Donc, mon inspiration vient de la musique acquise. D'accord. Voilà. Mais comment tu as réussi à combiner ça? C'est-à-dire le style entier, le couplet décalé. Comment tu as réussi à créer cette sauce? Non, c'est le travail, tu vois. Quand tu veux quelque chose, tu l'obtiens. Je dis non. Moi, la musique, la manière que j'aime beaucoup. Tu sais, aujourd'hui, je te fais une confidence devant
devant nos spectateurs qui nous regardent. Moi, mon père m'a chicoté, m'a frappé à cause de la musique. Voilà. Mm-hmm. J'ai laissé l'école à cause de la musique. Parce que la musique, c'était vraiment une passion pour moi. J'ai dû choisir entre la musique et l'école. Et j'ai choisi la musique. Aujourd'hui, ils sont fiers. Mm-hmm. Parce que c'est un truc qui était dans mon sang déjà. J'aimais beaucoup la musique. Donc c'est pour ça. Dieu aussi m'a inspiré. Dieu aussi m'a donné la force pour être ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Tu vois, grâce à mes femmes, grâce à tous ceux qui m'aiment, tu vois. D'accord. Donc la musique est ma passion. D'accord. Mais depuis là, tu n'as pas encore parlé de Dr Koudous. Hein. Ah, Dr Koudous, c'est mon problème. Mais Dr Koudous, est-ce que j'ai fini de parler? Tu m'as dit, maintenant tu me poses la question. Docteur toi, tu attaques, hein? Oui, c'est ça. Ah. Ici, à toi. On parle un truc. Tu ne veux pas parler de Dr Koudous. Tu ne pas en même temps que chose. Laisse-moi finir de parler de Dr Koudous. C'est mon producteur. Dr Koudous était mon producteur. Il a fait confirmation au Domingazo. Mm-hmm. On est resté ensemble avec Yann Production, tout. Donc c'est une personne que je dois beaucoup de respect, c'est une personne que je remercie beaucoup. D'accord. Est-ce que vous bossez toujours ensemble actuellement? Non, pour le moment non. Parce que il reste toujours mon père. Mon père me donne les conseils. Mm-hmm. Donc, comme il y a tout le monde, il fait aussi son boulot. Mm-hmm. Il me regarde. Il n'a plus assez de temps en fait. Voilà, pour il a trop de choses maintenant. Voilà, d'accord. D'accord, super. Alors dis-moi. Le showbiz, c'est-à-dire que toi, Didier Rodrigue, un artiste qui a cartonné fort, tu décides de t'installer un peu en Europe, voilà, à Paris, pour te consacrer un peu à ta famille. Mm-hmm. Mais est-ce que tu trouvais du temps aussi pour quelques spectacles? Oui, j'ai fait plein de tournées en Europe. Mais c'était quoi la différence? C'était quoi pour quelqu'un? Parce qu'en Europe, on dit, quand on ne te voit pas, on a envie de te voir. Mais une fois que tu es là, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 7 mois, on commence à être dégoûté. Moi, je suis resté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une stratégie en Europe. Mm-hmm. C'est quand souvent il y a des shows, on t'invite. Quand tu n'es pas trop vu aussi, c'est bon, ça t'arrange. Mais quand tu vois trop aussi, donc tu commences à déplaire. Moi, c'était une personne, je suis beaucoup réservé. D'accord. Je ne sens pas trop. Tu vois. D'accord. Quand c'est des spectacles, on me voit. Quand pas spectacle, je suis chez moi. D'accord. Donc, j'ai beaucoup tourné en Europe. D'accord. Ouais, beaucoup tourné. Il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, on est toujours avec DJ Rodrigue. La superstar. Ramzy Warrison. Ramzy a fait tatouer la fête de l'autre. Mais là, c'est le dinguerie. Ramzy. Moi, je suis resté toujours comme ça. Oui, toujours. Bon, tu as grossi un peu, tout ça, mais bon. Je suis quand même mature maintenant. C'est pas comme t'es en forme maintenant. Maintenant, on est vieux. Alors Rodrigue, dis-moi, c'était comment le mouvement avant? C'est-à-dire que pour les personnes aujourd'hui qui viennent de rentrer dans le showbiz, pour les nouveaux artistes qui cartonnent, oui, mais qui sont encore novices, voilà, avant c'était comment? C'est-à-dire que dans les années 2002, 2003, 2004, c'était comment quand un artiste sort un tube? Voilà, ça marche, ça cartonne, voilà, il est sollicité comment est-ce que voilà, ça se passait dans les différents combos, quel était l'accueil, c'était quoi le mouvement en fait? Bon, le mouvement, je veux dire, le mouvement suit toujours son rythme. Mm-hmm. Parce que quand dans nos débuts, c'est nous qui sommes quand même les dimanciers, tu vois. Quand il y a un bon. Il y a un bon cadre, tu vois. Et puis, tu es beaucoup suivi par tes managers, ton staff. Qui te manageait à l'époque déjà? Kanté Faro, d'accord. Quand salut au passage, Kanté Faro, président. Donc, tu vois, il y a une manière de travailler. Mm-hmm. C'est le travail qui amène tes fans. Quand tu vas quelque part, comment le cadre, comment la sécurité, comment t'accueille, tout. Ça dépend. Et puis, quand tu cartonnes, c'est le travail. Il faut travailler. Il faut quand même amener tes sons partout. En même temps que ton son soit partout, en même temps c'est diffusé partout. Mm-hmm. C'est comme ça. Et puis je vois que peut-être que c'est ce même rythme-là que nous. Les jeunes frères d'aujourd'hui ont pris. Et moi, je suis fier parce que le coupé décalé n'est pas mort. Ouais, le coupé décalé vit toujours grâce à eux. Ouais. On a laissé mettre plus le mouvement. Mm-hmm. Et on les regarde, tu vois. Et on est fiers. C'est les conseils qu'on donne, tu vois. D'accord. Donc, moi, je suis fier. Super. Bah, DJ Rodrigue, voilà, à l'époque, j'étais vraiment un des artistes qui marchait très, très fort. Mmh. Et beaucoup de tes collègues DJ de l'époque se plaignaient de toi parce que voilà, tu étais l'un des rares DJ à rouler avec 4x4. Avoir les 4x4.
à rouler en Lexus à Abidjan ici, à rouler en. Tu roulais dans les grosses voitures ici, mais tu vois. Il paraît que tu n'avais plus aucun respect pour les autres DJ qui t'ont bossé à la rue, dans les cabines et tout. Qui a dit ça? Non, mais moi, c'est ce que j'ai appris. Toi, Ramzi, attends. Toi, Ramzi, toi-même là. Toi et moi, on a bossé ensemble. Est-ce que je te fais manquer le respect? Non, jamais. Alors, j'étais toujours ouvert avec tous mes collègues. Moi, je suis une personne, je ne garde jamais rancune, jamais. Quand j'ai ça, quand il y a 10 francs, on partage ensemble. Et moi, mes anciens collègues que j'ai laissés, on se voit toujours, quand je les vois, je les salue avec respect. Pas parce que j'étais le premier DJ, j'ai sorti un son qui a capté, que j'ai roulé dans les caisses. Mais aujourd'hui, là, ils ne roulent pas dans les caisses aussi. Tu vois plein de DJ qui ont gros, c'est pas le combien de calais, c'est ça. Celui mec a créé, le père, son nom, le papa, hein, que je salue la mémoire du vieux père Douxala. C'est comme ça, on a suivi le mouvement. Hein? Donc le coupé des calories, on ne parle pas non que oui parce que j'étais le premier DJ à rouler dans Lexus, dans quoi que oui, je ne veux pas respecter mes collègues. Ça c'est un chiffon. Non, je sens que tu commences à t'énerver, ça me non, plaît. Non, mais je respecte. Tu commences à t'énerver, ça me plaît. Tu dis ça, quand on me voit de loin, oui, DJ roule, c'est pas. Non, j'ai toujours respecté mes collègues. Et quand je roulais dans mes 4x4. Tu m'appuies. Quand je roulais dans mes 4x4, là, quand je roulais dans mes 4x4, mes collègues, ils étaient toujours là. Voilà. D'accord. Donc les voitures, c'est pas. Voitures, ce n'est rien. Donc, Donc tu n'as pas eu d'altercation avec certains artistes, certains DJ et tout. J'ai été toujours fait plaisir avec mes collègues. Mm-hmm. Voilà. Toi-même, tu vois, voilà, toi et moi, on est là. Mm-hmm. Dans ton émission, Fafa, là, voilà, toi et moi, on est calé. Merci dans le rôle de l'animateur, il n'est pas trop parlé. Alors, Didier Odé, en tout cas, c'est cool, en tout cas, ça fait plaisir. Tu sais, c'est convivial, c'est pas fort, c'est convivial, et puis on cause, et puis il y a froid, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est vrai. Alors, dis-moi, tout à l'heure, tu parlais même du coupé décalé. On sent que toi, avec le recul que tu as pris, tu as gardé une très bonne image de ce mouvement-là. Ouais, ouais. Tu aimes bien tout ce qui se passe dedans. Oui, et tout. À un moment, il y avait des clashs, il y avait des clashs entre les DJ. Ouais, entre les artistes. Moi, quand je vois les clashs entre mes collègues, entre les artistes, nos frères, maintenant, bon, je dis non, tu sais, les clashs, c'est clashant. Ça fait aussi la pub, hein. Ça fait aussi la pub, mais moi. Tu ne vas jamais me voir en train de clasher quelqu'un. Non. Enfin, eux aussi, ils ont fait leur clash. Ça, c'est dans le domaine. Et moi, les conseils que je vais donner, les clashs, vous faites ça après, ça va où? C'est les mêmes gars où tu vous causes. Tu vois que c'est n'importe quoi, les clashs. D'accord, super. Super. Alors, dis-moi, depuis que tu chantes jusqu'à aujourd'hui, tu as combien d'albums? Tu as fait combien d'albums d'ici là? Atala Bonatier, après Confirmation. Mais ça c'était des singles, c'était des albums. Non, c'est 4 albums. 4. Ah, 4 albums même. Ouais, avec ce que je viens de faire. Mm-hmm. 2014, ça fait 4. Ah, d'accord. 4 albums. Et c'est des albums de combien de titres que tu as fait souvent? Atalakwa Natier, j'ai fait 6. Après Loubé, j'ai fait 4. Après... Mesdames et messieurs, excusez-nous, nous sommes dans un restaurant, on est venu attraper Didier Rodrigue. Donc le petit bruit que vous entendez, tout ça, c'est l'ambiance du restaurant. Désormais, c'est comme ça le Fafa. Voilà. Donc voilà, je disais... Oui, dans le coin natier, tu as fait 6 titres. J'ai fait 4. Après, Dieu merci, j'ai fait 6. Ça fait combien? Ouais, ça fait déjà 10. Déjà, je sais que j'ai trop fait. Tu as beaucoup de titres en fait. Quand on va sur YouTube, on voit tous mes trucs. D'accord. Donc là, tu es là pour le passage ou bien tu es là pour la promo? Non, je suis là pour la promo. D'accord. Donc, tu es prêt à aller? Ouais, hein? Ouais. Très loin pour la promo. On ne pense pas, c'est Dieu qui donne. On ne pense pas. Alors, on est dans Fafa, il faut les questions crues. Hein. Tes questions crues, là. Tes questions crues que tu as posées. C'est assez minable, il ne faut pas t'évager. Hein. Non, moi okay. Je ne me bats jamais. Ma question a serré mes cols ici. Moi, ça c'est le contact de mon ami. Mon frère, en plus, c'est pas mon ami, c'est mon frère depuis la galère. Alors, dis-moi, une question qu'aucun journaliste n'a jamais le courage de te poser. Je sais que tu sais quelle question tu as. Voilà, dis Rodrigue. C'est ça de belle. Hein. Ouais, dis Rodrigue. N'importe tu aimes les hommes ou pas? Moi, j'aime les femmes parce que je suis père de 7 enfants. Oh, mais ça, c'est pas une raison. Il y a des gens qui ont même 10 enfants et puis ils font ça. Ah non, c'est pas des gens. Ah bon? C'est n'importe quoi. Regarde-moi dans les yeux. Tu dis rien, tu es mon frère d'égalité. Derrière, tu sais comment on s'est lavé ensemble, toi et moi. Voilà. Donc, toi, tu sais très bien, on est dans la même maison. Tu vois, donc, toi et moi, quand tu me regardes là, tu penses que moi, il y a rien, 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 il y a rien
Ah, mais il y a trop de choses qui sont d'ici toi. Mais c'est normal quand tu es un artiste. Ouais, on dit, mais il y avait une rivalité entre toi et Chanaka, tout ça. Oui, mais Chanaka, par Chanaka, Chanaka ça. Il est là. Non. Il peut demander, Chanaka, c'est mon frère. Comme l'un de toi, mon frère, c'est mon frère. Donc, c'est n'importe quoi, quoi. Ah bon vois. Donc, l'épisode Papa Jean Bosco, tout ça, c'est n'importe c'est quoi. C'est n'importe quoi. Non, non, papa Jean Bosco, c'était notre parrain. On a parrain tous les artistes. Ah. Voilà. Donc, histoire de dire, histoire de oui, ben, je sais pas, là, c'est n'importe quoi. Donc, dire Rodrigue n'est pas un homosexuel. Non, non, jamais, c'est pas comme ça. Ah bon. Jamais été. Tu as dit ça devant la nation. Hein. N'a jamais été, moi, tu vois. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, voilà qui est clair. Didier Rodrigue, voilà, il a décidé aujourd'hui d'éclaircir les choses. Moi, parce que partout, on le voit. Sept enfants. Ouais. Ah bon, sept enfants. Bien sûr. Tu, ah bon? Tu veux que les combien de filles toi, combien... Toi, on m'a dit, hein. Bien sûr, on est. Non, vous parlez. On m'a dit, hein. Il y a une de mes filles. Voilà, donc attention à toi. Aïe! Je suis Camille, je suis Facebook, je suis votre truc, attention, hein. Je suis pas cher, je ne suis pas chiot. Je te dis en même temps, il n'y a pas de problème de ma fille, mais non. Ah bon? C'est ta fille. Ah, il y a quoi d'agréable? C'est ta fille. Ah, hein. Voilà, je ne dis pas son nom. Non, mais tu sais, pas ça, là. Tu sais que moi je. Non, ça sera dedans, il y a foi. Tu sais que moi sur Facebook, moi je ne drague pas sur Facebook. Hein, je drague pas. En tout cas, il faut causer. Il faut causer seulement. Mais voilà. Il me menace. Il me menace. À quoi est sa fille? Il faut causer. Elle est où, elle est là-bas avec toi? Elle est en Europe. Ah, d'accord. J'ai des jumelles, j'ai des filles. D'accord. Non, mais c'est bien, DJ Rodrigue. En tout cas, tu fais la fierté de beaucoup de DJ et tout, machin. Mesdames et messieurs, ce monsieur, bon, avant même d'être DJ là, il vendait à bien. Il a vendu les Yougou Yougou. On a quitté loin. En pratique Bakara. Moi, on a vendu Garba, on a fait des choses. Donc, faut pas que les gens pensent qu'on est arrivé là de façon facile, quoi. On a quitté loin. Alors, Rodrigue, dis-moi. Si j'ai bonne mémoire, tu n'as pas eu l'occasion de faire de grands concerts ici. Hein. Non. J'ai seulement fait la dédicace de mon album, je me rappelle bien, c'était à l'Académie. À l'Académie. Ouais, ouais. On y était tous. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas eu le courage de faire un concert au Palais de la Culture? Si, je songe à ça. Mais pourquoi tu n'as pas fait à l'époque où tu étais? Non, parce que tu sais, j'avais tellement de choses en tête, on n'a pas pensé à ça, moi et mon staff. Mais après, maintenant, j'ai vu que comme je suis arrivé, on va se mettre chercher à faire mon concert. D'accord. Mais est-ce que Didier Rodrigue, est-ce que tu envisages par exemple de peut-être faire des collaborations avec des collègues DJ? Voilà, avec des, même pas forcément avec des DJ, mais avec des nouveaux artistes qui sont sur l'échiquier musical. Je peux permettre. Oui, vas-y. Je dois faire une fusion avec mon fils, voilà, Arafat. On doit faire un son ensemble. D'accord. Voilà, c'est pour très bientôt. D'accord. Voilà. D'accord, et après ça, est-ce que tu envisages d'autres feats? Peut-être avec des rappeurs ou même avec, avec des rappeurs, parce que je veux, tu sais, le coupé décalé, il faut qu'on rentre aussi dans d'autres cadences, tu vois. Comme, tu vois, la musique, là. Donc il faut chercher, pas rester toujours dans le même, il faut chercher, il faut changer un peu, il faut chercher d'autres beats pour le mettre, comme, tu vois, avec la nouvelle tendance, là. Afrobeat, tout ça, là, ouais. C'est genre de comme ça, il faut chercher. Moi, je tire chapeau surtout à nos frères qui viennent de commencer, qui sont rentrés dans ce genre de nouvelle cadence, en fait. Et moi, ça me plaît. Je vais essayer aussi de faire un truc comme ça aussi. Voilà, mais non, ce que tu dis, c'est pas faux. C'est important de faire des recherches et tout ça, machin. Voilà, à l'époque, tu avais même fait un featuring avec le VPMB. Oui, moi, j'ai fait le VPMB. C'était très bon, ouais. Ouais, c'était bon. Mais malheureusement, tu n'as pas fait la promo. Non, j'ai fait ça comme ça. C'est comme je voulais faire le clip. Et puis après, voilà, je vais songer à faire le clip. C'était très bon, les gens ont beaucoup aimé. Ils ont beaucoup aimé. D'accord, c'est super. Alors, Didier Rodrigue, voilà, tu es à Abidjan, tu es en pleine promo et tout ça. Voilà, tu as commencé à tourner un peu. Qu'est-ce que tu as remarqué? C'est quel changement tu as remarqué dans le milieu de la nuit? Beaucoup de changements. Je veux que dans le milieu de la nuit, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tu vois, c'est pas comme à nos temps, là, tu vois. Mm-hmm. Donc, j'ai vu aussi. Comme quoi, par exemple? Les vieilles bars, j'ai vu plein de choses qui ont changé. J'ai vu qu'en matière de prestations artistiques, il y a plein de. Il y a des petits même que qui n'ont pas encore chose qui voient. Ça me met tellement à cheveux quand je les vois danser. Je dis ouais. Tu veux dire qu'ils traînent la tête, qu'ils font les roues 14, tout ça, tu vois. Le pied de calais a changé. Ouais, ouais. Tu vois, ça a beaucoup changé, tu vois. C'est super. Alors, dis à quoi on peut s'attendre de ta part après Domingas et tout? Après Domingas, à quoi on peut s'attendre? Je veux faire un truc afrobeat. Oh, d'accord. Ouais, je vais faire un truc afrobeat avec vraiment.
un truc vraiment qui va émerger, qui va vraiment rendre mes fans un peu. Je vais sortir en fait de ce concept pour mm-hmm. faire un truc afrobeat. D'accord. Voilà. Un truc vraiment qui va accrocher. Du loup, ouais, du loup. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise, ouais, Rodrigue, viens encore chanter ces mêmes trucs là, machin. Un truc du loup. D'accord. D'accord, c'est super. Mesdames et messieurs, on est toujours avec DJ Rodrigue. Plage musicale, et on revient. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Fafa, ouais, ça se passe. Alors, Rodrigue, dis-moi, il y a eu les avoirs du coupé décalé après. J'ai appris ça, ouais. Oui, après les primus de tout ça. Bon, on sent que. Par Mola. Ouais, le B-Boss. Voilà, donc on sent que voilà, il y a quelque chose qui est en train de se faire au niveau du coupé décalé. Et même à Paris, il y a eu aussi les awards du coupé décalé. Bon, je ne sais pas si c'était en concomitance avec pour Mola et tout. Mm-hmm. Mais pour Paris, tu étais là-bas ou non, je n'étais pas là-bas, j'étais déjà ici. Ah, d'accord. Mais ici. Comment est-ce que tu trouves tout ce mouvement au fait que le coupé décalé aujourd'hui a servi. Alors qu'il y a des prix aujourd'hui, bon, c'est vrai, ce n'est plus avoir du coupé décalé ici, c'est les primudes, tu vois, mais on récompense les artistes coupés décalés et tout ça. Voilà, quelle est ta vision là-dessus? Je trouve bien parce que c'est la première fois que je vois qu'on récompense quand même les. C'est pas seulement les artistes coupés décalés, oui, bien parce sûr. Que j'ai suivi ce que Laurent Femboula a fait et moi, je remercie parce que c'est une personne qui a beaucoup bossé. Il a eu à l'intelligence de créer ça. Donc moi, ce que je peux dire, c'est une bonne chose. Si on peut faire ça de temps en temps, ça permet aux autres artistes qui n'ont pas peut-être eu leur... qui n'ont pas eu le prix. Ouais, de plus bosser. Ouais, tu vois. Ouais, ça pousse les gens à travailler. De plus bosser. Donc moi, je trouve ça bien. D'accord. Mais qu'est-ce que tu penses de ceux-là même qui l'ont attaqué? Ceux-là même qui ont fait parler avec lui, tout ça là, pour les faire... Je vais dire quelque chose. Le grand frère Mola, c'est une personne gentille. Ça parce que moi, c'est une personne gentille. Il est très très gentil. Ceux qui ne le connaissent pas déjà, ceux qui ne l'ont jamais approché, plus mais c'est une personne qui a un cœur blanc, une personne vraiment qui il est vraiment sympa, il est vraiment gentil. Bon, ceux qu'on attaque, peut-être qu'il ne sait pas, il y a quelques soucis, quand il y a quelques problèmes. Moi je ne vais pas rentrer dedans. Moi je sais que c'est une personne, même à Paris, on se voit, il m'a toujours respecté, je l'ai toujours respecté. Même ici à Dijon. Il m'a toujours respecté. Donc moi, je sais pas si je défends, mais je ne dis pas, mais c'est une personne bien, c'est une personne gentille. Ah mais qu'est-ce que tu penses des personnes qui disent que... Il attaque quoi? Pourquoi il représente, pourquoi il récompense pas aussi ceux qui ont fait le coupé décalé avant Jean-Paul, genre... Non, faut pas dire, moi je n'ai Jean-Paul, pas... Jean-Paul par exemple, bien sûr, toi par exemple, ou bien... Si moi je demande ça, c'est comme on va dire, non, oui, Didier va demander une récompense, non. Si il a organisé son truc, il a récompensé déjà des artistes qui ont déjà travaillé, que les anciens, peut-être que ça va venir, il est en train de préparer ça. Tu vois, les anciens sont toujours là. Mais c'est les anciens qui donnent aussi les conseils à nos petits frères. Donc moi, je ne trouve pas... D'accord. Ouais, je n'en veux pas quoi. On a saisi ton message, c'est pas faux. Mais dis-moi, il y a une page triste de coupé décalé qui est arrivée. Il y a un jeune garçon, un danseur, voilà, qui est mort pendant qu'il dansait. Il a voulu faire une acrobatie. Il a voulu faire une acrobatie et il s'est retrouvé le cou cassé en fait. Voilà, ce genre d'incident là, ça arrive. Ça... Bon, il n'y a pas la mort dedans, mais ça arrive que les enfants, il y a certains qui se retrouvent à l'hôpital, aux urgences et tout. Voilà, d'autres personnes disent qu'il faut qu'on arrête ce genre de pratique de danse et tout ça. Et toi, quel est ton avis là-dessus? Bah moi, ce que je peux dire déjà, je dis Yako à la famille du petit. Mais vous savez, le roux se casse. Quand on voit nous danseurs même qui dansent, c'est ce qui rend aussi la chose aussi bien. Mais si ça arrivait, peut-être qu'on peut dire que c'est le jour. Ouais, c'est un malheur, mais moi le conseil que je peux donner à nos frères danseurs, vous dansez un peu tout doucement, pas sur le coup aussi. Les manières de danser, les bouquins, pas sur le coup, parce qu'en dansant sur le coup, tu peux perdre et puis voilà. Donc le conseil, tu peux danser à ton rythme, mais pas jusqu'à sur le coup, non. Ça fait peur. D'accord, donc toi tu es pour que ça continue, mais... Pour que ça soit
fait de façon parce que façon professionnelle, en fait. Si ils sont déjà dans leur rythme, si c'est pas ça, ils se sentent mieux. On ne peut pas leur dire non d'arrêter, mais il va créer quoi? Ben, c'est pas ça, on a connu. Tu vois, donc tu veux danser, mais pas sur un rythme un peu. D'accord. D'accord, mais est-ce que dis Rodrigue, actuellement, quand on t'appelle dans certains spectacles et tout, est-ce que tu pars toujours avec tes mêmes petits là? J'avais Guigui Kero, Bébé Kero, tout ce monde. Il y a deux mes danseurs qui sont en France. Il y a Arabi qui est en France, Bébé Kero qui est en France. Donc Orsi Kero est ici, Gigi Kero est là, Arobaz aussi est là. Donc mes danseurs, c'est parce que tous mes danseurs sont, en plus j'étais pas là, Arobaz est maintenant avec Yabongo, Gigi Kero il est toujours resté avec moi, Orsi Kero aussi fait sa carrière, il a commencé sa petite carrière musicale. Donc voilà, mes danseurs, on s'appelle, c'est mes enfants en fait, c'est mes enfants. Des enfants, mais tu partais en combo en Europe, tu partais pas avec non, eux. Non, mais en Europe, tu sais que tu as parti avec un danseur. C'est pas gentil de ta part. Tu vas en Europe, tu vas sans tes danseurs. Arrête-moi pour toi. Non, mais toi-même là, écoute-moi. Toi-même là, tu chantes, donc va à tes danseurs. Tu vois comme ça, c'est là partir avec les danseurs. Tu dois faire, il y a des formalités à faire, il y a des invitations. Tu sais, on invite, on dit, on veut l'artiste. Tu fais quoi? Tu n'as pas dit que tu ne veux pas sans. Mais j'ai dit ça, mais ils sont pas prêts. Donc tu restes, pourquoi tu vas? Donc, il laisse le jeton. toi, tu n'as pas changé là. C'est quelle émission ça là? Tu peux même colloquer avec mes amis. Ah non. Non, c'est juste pour te chahuter. Alors, dis Rodrigue, voilà, l'émission en train de. L'émission en train de tirer à sa fin et tout. Voilà, la caméra est là, tu vas la fixer et puis bon, tu vas lancer un message à tous ceux qui disent que dis Rodrigue n'est plus inspiré, dis Rodrigue que Pidja fout, tout ça. Voilà, faut leur parler. Dis Rodrigue est toujours inspiré. Déjà, vous dansez mon nouveau son. Vous dansez les meilleurs. Et puis le tout dernier qui va venir encore cette fois-ci-là, c'est un changement de beat instrumental même. C'est un changement. On va dans la folie, on va suivre la cadence là. Donc vous qui m'aimez plus, vous qui m'aimez bien, et aussi ceux qui ne m'aiment pas, je les aime aussi, tu vois. Donc restez connectés et puis vous allez écouter le dernier qui va sortir. Voilà. Parce que c'est grâce à vous que je suis aujourd'hui. Mais à propos de vous qui m'aimez, Rodrigue, quand tu dis vous qui m'aimez, là, parce que toi, on sait que toi, les femmes sont trop fans de toi. Donc tu profites de ça, on dit tu as trop de go, tout ça, machin. Dis Rodrigue, cherche trop de femmes, tout ça. Hein? Donc quand tu parles aux femmes, c'est ça, non? Lui là. Non, pas répondre. C'est ce qu'on a dit. Mais moi, mes femmes, il y a tout. Il y a les hommes aussi, il y a les femmes. Tout. Ah, il y a les hommes aussi. Mais toi, tu n'aimes pas. Il y a les hommes qui sont des fans. Toi, tes fans, hein? Tes fans, il n'y a pas des hommes. Il n'y a pas deux jeunes qui t'ont pris photo et toi tout à l'heure là. Alors, c'est des hommes, non? Alors, donc, c'est comme ça. Quand tu es un artiste, tu es aimé. Non, parce que c'est un truc, il ne faut pas que les gens interprètent ça d'une manière, tu vois. Tu es aimé par tout le monde. Vraiment, mes fans sont plus des femmes, tu vois. D'accord. Quand tu es beaucoup aimé, Dieu a dit, quand tu es beaucoup aimé par la femme, tu es béni. Quand tu es aimé par les enfants, par la femme, tu es béni, tu vois. Donc, moi, je suis une personne, j'aime beaucoup mes fans. Et c'est grâce à mes fans, je suis ce que je suis. Mais déjà, le goût là, il n'est pas haut. Tu le sais, le toi là, tu n'es pas clair. Ah, maintenant, monsieur, nous étions avec Didier Rodrigue à l'émission Fafa. Vous savez, c'est rapide quoi. Il fallait que je vienne le prendre avec les questions. Ah, il m'a pris comme ça. Je suis dans le zone, il n'est pas pour manger mon truc. C'est comme ça, c'est le danger. Ah, vraiment. Hein? Mais il faut faire un petit truc. Hein? Un petit acapella. C'était Didier Rodrigue et Ramzy, le dernier dans le Fafa, Ivoire TV Musique, Canal 209 du Bouquet, Canal Plus Afrique, Soko et l'homme qu'on appelle William Santiago à la caméra, Yao Denis à la post-production, voilà le Beg Israël, cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir, rendez-vous la semaine prochaine, même antenne. Fafa, c'est toujours. Je vous aime.